Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le début du mois de mars. Comme à l'accoutumée, je vous propose la revue de presse couture du mois de mars. C'est parti avec ce mois-ci 9 magazines qu'on va feuilleter ensemble. Et alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire gagner du temps, c'est de vous faire gagner de l'argent, puisque en une vingtaine, peut-être 25 minutes si je suis bavard, on va passer en revue tous les magazines de couture qui sortent ce mois-ci. Vous allez pouvoir repérer des modèles qui vous intéressent, des patrons qui vous auront tapé dans l'œil. Vous allez pouvoir vous rendre compte si le niveau de difficulté du modèle correspond à votre talent en couture, à vos compétences. Et ça va vous éviter d'acheter tout et n'importe quoi et de feuilleter ensuite un peu au pif. Bref, vous connaissez les avantages, on y va. Le premier magazine de cette sélection, c'est Fibre Mood. Ça coûte 14,90€. C'est le numéro 18 du mois de février 2022. Je l'ai reçu mi-février et c'est un magazine qui paraît tous les deux mois. Donc tout va bien, vous le trouverez sans souci au mois de mars en maison de la presse. Et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 12 patrons de couture qui se déclinent en 29 variations. Il y a 10 modèles pour femmes. Les tailles vont du XS au triple XL ou du 32 au 60, donc de quoi habiller à peu près quand même n'importe qui. Une telle amplitude de taille, c'est quand même assez rare et c'est à souligner. Au niveau des modèles, il y a deux blouses, deux robes, une jupe, une combi, un top, un pantalon et un sweat à capuche ou un sweat sans capuche. C'est l'avantage des variations qui sont proposées dans le magazine. Pour chacun des modèles, vous allez pouvoir choisir quand même la tronche qu'aura le modèle au final, en ajoutant ou non une capuche comme c'est le cas pour le sweat, ou en allongeant plus ou moins l'un des modèles, l'une des manches, en rajoutant des froufrous, des poches, bref. Et dans ce magazine, il y a également deux modèles enfants. Il s'agit d'un pantalon et d'une robe dont les tailles vont du 2 ans au 14 ans. Au niveau des modèles qui sont proposés ce mois-ci, Fibre Mood, c'est toujours assez tendance, c'est toujours d'actualité, ça marche bien. Les tenues qui sont proposées sont actuelles, c'est des choses que vous allez pouvoir coudre immédiatement et porter immédiatement. On sent aussi qu'on arrive dans la période printanière, on va utiliser des étoffes un peu moins lourdes, un peu plus fluides, un peu plus colorées également. Et du coup, c'est assez sympa, ça fait plaisir à voir. Donc, au niveau du stylisme, il y a zéro souci. Je pense que n'importe qui peut trouver son bonheur. Et l'avantage, encore une fois, c'est que vous êtes quasiment sûr et certain d'avoir le modèle à la bonne taille pour vous, puisque, encore une fois, il est proposé dans 11 ou 12 tailles systématiquement. Au centre du magazine, on va retrouver cette espèce de livret qui contient toutes les planches de patron. Alors, au niveau de la mise en page, c'est un petit peu prise de tête, parce que tous les modèles s'enchevêtrent les uns dans les autres et surtout la difficulté avec Fibre Mood, c'est qu'il y a énormément de tailles qui sont proposées pour chacun des modèles, ça on l'a vu, et du coup ça fait autant de traits, autant de lignes qui se percutent dans tous les sens. Et donc cette profusion de tailles a un revers puisque la lecture sur la planche de patron s'en trouve gênée. Deuxième petit souci sur les planches de patron, il n'y a pas de marge de couture, il va falloir les ajouter pour chacune des pièces de chacun des modèles. Le niveau de difficulté est affiché avec une note sur 5, et pour chacun des modèles, nous avons un pas à pas qui est uniquement avec des petits schémas, malheureusement. On va pouvoir retrouver un pas à pas avec des textes et des schémas, mais pour cela, il va falloir se connecter sur le site de Fibre Mood. Il va falloir retrouver le bon modèle. Il va falloir télécharger le pas à pas en PDF. Bref, c'est tout un truc à faire, alors que je considère, moi, que quand j'achète un magazine de couture, c'est pas pour ensuite aller sur un site internet télécharger les explications. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça que procède Fibre Mood depuis le début. Et voilà, il faut s'y habituer, quoi. Donc dans le magazine, vous n'avez que les explications en dessin, mais vous allez pouvoir retrouver les dessins et une explication en texte sur internet à télécharger sur votre ordinateur. Voilà pour le Fibre Mood de ce mois-ci. On passe à Idées à faire. C'est le numéro 38 de mars-avril 2022. Ça coûte 6,90€. Et alors, Idées à faire, c'est un magazine un petit peu touche-à-tout. On va évidemment retrouver de la couture, sinon je ne vous en parlerai pas. Et on va trouver d'autres types d'activités. Par exemple,
on va proposer de fabriquer un étui à AirPods en cuir, des œufs de Pâques en pâte Fimo, des boucles d'oreilles en petites perles plastiques. Il y a du tricot avec le pas à pas d'une barboteuse. Il y a un petit peu de bricolage avec des feuilles plastiques. Il y a un petit peu de broderie, notamment une broderie sur une passoire qui est assez rigolo. Je ne connaissais pas du tout le principe. En gros, vous prenez une passoire, un chinois, et vous allez l'utiliser comme toile à canevas, quoi. Et du coup, c'est assez rigolo pour faire de la déco chez soi. C'est original. Il y a un petit peu de crochet, il y a quelques recettes de cuisine et il y a également de la cosmétique avec la proposition de fabriquer un démaquillant zéro déchet. Mais bon, parlons de ce qui nous intéresse, la couture. Il y a 9 projets de couture à l'intérieur d'Idées à faire ce mois-ci. Il s'agit d'un sac cabas, d'un sac à main rétro, d'une robe tablier de la taille 32 à la taille 60, d'une jupe à faire sur mesure, d'un tablier enfant taille 4-5 ans ou 6-8 ans, un sac seau en forme de lapin, une horloge à coudre, une manique en forme de poule et un chemin de table. Dans Idées à faire, on ne va pas retrouver de planches de patrons au centre du magazine. Tous les patrons sont à télécharger via un petit QR code présent sur le magazine. Et pour chacun des modèles, vous allez avoir une estimation de la difficulté avec une note sur 4. Et également la durée estimée que cela va vous prendre et son coût. Tous les projets, qu'ils soient couture ou bricolage ou cuisine, sont expliqués avec des pas à pas en photo et en texte. Donc a priori, il n'y a pas réellement de raison de se tromper. Vous êtes vraiment accompagné de A à Z sur chacun des projets du magazine. Passons à Octobre Design Enfant. C'est le numéro du printemps, ça coûte 14,95 €. Et à l'intérieur, on va retrouver 36 modèles de la taille 56, c'est-à-dire vraiment la taille bébé, à 170. Mais alors attention, les 36 modèles ne sont pas déclinés dans toutes les tailles, c'est vraiment par catégorie, c'est-à-dire vous allez vraiment avoir quelques modèles bébés, quelques modèles enfants, quelques modèles jeunes ados et quelques modèles un peu plus grands. On retrouve donc des pantalons, des sweats, des combis, des blouses, des tops évidemment, une salopette, un blouson, une jupe, une robe, une chemise et un petit projet de col amovible. Au niveau des modèles qui sont proposés, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Alors, le style, parfois, je trouve, est un petit peu bizarre. Il y a vraiment des trucs pas courants, designés un peu bizarrement. Mais il y a d'autres petites choses très sympas. Il y a des choses très classiques comme un t-shirt, comme un petit pantalon. Il y a des choses vraiment métables, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, en fait, au top, c'est tout de suite un peu bizarre dès qu'ils essayent d'inventer des nouveaux styles, je trouve. Parfois, ils se prennent un peu pour des créateurs. Et bah, je ne sais pas si j'ai envie que moi, ma gamine se balade avec des trucs étranges. Enfin, c'est elle qui choisira, comme d'habitude. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, malheureusement, est assez compliquée, je trouve, à décrypter. Malgré l'utilisation de différentes couleurs pour différencier les modèles, ça reste quand même très, très imbriqué. Et on retrouve un petit peu le souci qu'a Fibre Mood, à savoir que la profusion de tailles entraîne forcément une complexité de lecture puisqu'il y a des traits vraiment dans tous les sens. Il y a certains modèles qui sont déclinés en 8 tailles, ce qui complique forcément la lecture par endroit. Et ça, malheureusement, à part proposer plus de planches de patron et du coup, j'imagine, augmenter le coût du magazine, il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Les explications dans Octobre sont systématiquement en texte. Là, il ne va pas falloir compter sur un pas à pas en vidéo ou même simplement avec des photos ou des petits schémas. C'est uniquement du texte et c'est pas toujours, je trouve, hyper clair. Moi, je me souviens, par exemple, avoir essayé de faire un modèle il y a quelques années de ça dans un Octobre et le magazine me renvoyait sur le site internet pour une partie de l'explication. C'est-à-dire, il fallait coudre, je ne sais plus si c'était une poche ou un col, et il me disait, bon, hey, on ne va pas vous expliquer dans le magazine, vous allez sur le site internet, vous tapez tel mot-clé dans la rubrique de recherche et vous allez retrouver un PDF pour télécharger l'explication pas à pas. Ça m'avait un peu gonflé à ce moment-là. Et alors, cerise sur le gâteau avec Octobre, il n'y a ni marge de couture sur les modèles, mais bon, ça, on est un peu habitué maintenant. Et il n'y a surtout pas de niveau de difficulté pour chacun des modèles. C'est au petit bonheur la chance. Donc, mon conseil, si vous êtes intéressé par l'un des modèles
dans ce magazine. Je vous conseille très sérieusement de lire toutes les étapes avant de vous lancer, avant même d'acheter le tissu, pour réaliser, pour vous rendre compte si vous comprenez ce qui se passe. Je vous conseille également de réaliser une toile, c'est-à-dire de prendre un tissu bas de gamme qui ne vous servira pas et de découper les pièces et de réaliser une partie du montage pour vous rendre compte un petit peu des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer et ainsi vous saurez si vous savez faire ce truc-là. Parce que vraiment, on n'a aucune idée si c'est un modèle facile ou si c'est un modèle compliqué, expert, sur lequel on est en train de flasher. Et il me semble qu'avant, il mettait un niveau de difficulté au top. Je ne comprends pas que d'un coup, il s'arrête de noter simplement les modèles. C'est quand même pas quelque chose de très compliqué, je pense. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai mal vu, parce que vraiment, c'est en microscopique sur la page avec tous les modèles. Vous avez des tout petits points là, sur le bout. Et en plus, maintenant je me souviens effectivement qu'à chaque fois je gueule à ce sujet, on ne sait pas si un point noir est plus difficile qu'un point blanc, plus facile qu'un point noir et un point blanc. Voilà, vous n'avez pas de légende concernant le niveau de difficulté, donc bon, bah ça revient à ce que je disais, c'est au petit bonheur la chance. Donc lisez bien, encore une fois, les explications pour vous rendre compte si c'est quelque chose d'accessible pour vous ou pas du tout. Donc voilà pour le magazine Octobre. On passe à Fait Main. C'est le numéro 482 du mois de mars 2022. Ça coûte 6,50€. Et à l'intérieur, on nous promet tous les modèles en 11 tailles, de la taille 34 à la taille 54. À l'intérieur du magazine, on va retrouver 22 modèles pour femmes. Il y a une combi, deux blouses, quatre pantalons, un chemisier, un manteau, une veste, deux jupes, six robes, trois t-shirts et une salopette. Et l'une des robes adultes est déclinée en version enfant. Et les tailles enfants, ça va du 98 au 134, c'est-à-dire du 3 au 9 ans. Au niveau du style des modèles proposés à l'intérieur de ce magazine, écoutez, c'est pas trop mal, hein, franchement. Fait Main, je trouve, propose des tenues assez actuelles et métables. On n'est ni sur quelque chose d'extravagant, ni sur quelque chose d'un peu dépassé, un peu daté. Ça reste franchement très accessible. Et le fait de proposer comme ça tous ces patrons dans 11 tailles, bah ça, franchement, ça permet à peu près à n'importe qui de s'habiller avec l'un des modèles, s'il vous a tapé dans l'œil, évidemment. À titre perso, j'ai un petit doute quand même sur le modèle enfant et sa version adulte. Mais ce qui me fait dire ça, c'est essentiellement la poche que je trouve un peu bizarroïde, cette espèce de poche plaqué ronde avec un bouton par-dessus. C'est peut-être la couleur aussi utilisée qui n'est pas forcément à mon goût. Mais voilà, c'est vraiment le seul bémol que j'ai à ce niveau-là parce que sinon, les autres modèles sont franchement très métables. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est imprimée en trois couleurs, rouge, noir et vert. Pour le coup, et de ce que j'en vois là, simplement en laissant le magazine ouvert, ça semble rester assez lisible. Les pièces, effectivement, s'entrechoquent, s'entrecroisent un petit peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que le style de trait, le type de tracé utilisé par le magazine fait que ça reste quand même assez décryptable. Les explications à l'intérieur de Fait Main sont uniquement en texte. N'allez pas espérer un pas à pas en vidéo avec des photos, avec ce que vous voulez. Non, on n'espère rien. Vous n'aurez que du texte, que des explications en texte. Les marges de couture sont à rajouter sur les différentes pièces de patron. Et le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 7. Et là, cette fois, vous avez une petite légende. Vous allez savoir vraiment si 2,5 points, c'est plus ou moins compliqué que 7 points. Bon, je crois qu'on se doute, hein. Mais voilà, au moins vous avez vraiment une légende concernant le type de notation utilisée et ça évite de partir sur un projet infaisable pour soi si on n'a pas le niveau de couture suffisant. On passe au Burda Style. C'est le numéro du mois de mars 2022. Ça coûte 7,50€. Et à l'intérieur, on va retrouver 19 modèles dans les tailles 34 à 42 ou 36 à 44. Il y a évidemment beaucoup de hauts, de sweats, de vestes, de petites chemises, de tops, de blouses. 8 robes, 2 manteaux, 1 pantalon, 2 jupes. Bref, vous avez largement de quoi faire pour le printemps qui arrive. Il y a également 8 modèles grande taille. La grande taille chez Burda, ça va de la taille 44 à la taille 52. Il y a un trench, 2 pantalons, 2 vestes, une robe trench, une robe tout court, une tunique et une blouse.
Et enfin, il y a trois modèles enfants. Alors la taille enfant, dans ce numéro, chez Burda, ça va du 116 au 140, c'est-à-dire du 6 au 10 ans environ. Il s'agit d'une chemise, d'une veste et d'un sweat col haut. C'est pas un col roulé, c'est un col haut. Au niveau du style, bah Burda, c'est franchement, hein, c'est assez qualitatif hein, pour le coup. Les modèles qu'ils proposent sont très actuels, sont très tendances, mais pas non plus complètement déconnectés de la réalité. Hein, c'est vraiment des choses qui sont métables. Comme je vous l'ai dit, avec le printemps qui arrive, on est vraiment sur une collection de tenues qui vont être tout à fait à propos actuellement. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, alors contrairement à celle de Fémin, et je trouve vraiment compliqué à déchiffrer. Il y a énormément de lignes dans tous les sens. Ça s'enchevêtre en fait beaucoup plus, j'ai l'impression, que pour Fémin ou même pour Fibre Mood, par exemple. Malgré l'utilisation de différentes couleurs, bah, ça reste quand même très, très prise de tête pour suivre l'un des tracés qui vous intéresse. À cela s'ajoute le fait qu'il n'y a pas de marge de couture, mais ça, vous pouvez s'y attendre. Donc il va falloir les rajouter systématiquement sur les pièces que vous allez découper. Les explications dans ce magazine, vous le savez avec Burda, sont uniquement en texte et un texte qui est généralement un peu rude, un peu compliqué, je trouve, à déchiffrer. Il y a une manière en fait d'expliquer les choses qui est assez rugueuse, quoi. C'est jamais vraiment facile, à mon sens, de suivre un patron Burda. La manière d'expliquer les choses, je trouve, n'est pas très claire. Cependant, Burda, depuis quelques années maintenant, fait l'effort de proposer ce qu'ils appellent des workshops. En gros, c'est un pas à pas pour deux modèles du magazine. Dans ce magazine, il s'agit d'une jupe et d'une veste. Donc, vous avez vraiment le pas à pas avec des petits schémas et les textes explicatifs pour faire les différents modèles sans vous planter. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bienvenu, je trouve, dans un magazine comme Burda. Et il y a également maintenant un troisième modèle qui est proposé. Alors là, ce n'est pas un vêtement, il s'agit d'un petit sac à dos avec une explication pas à pas en photo. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Et donc vraiment, le souci hein, avec Burda, ce sont, à mon sens, les explications qui sont toujours un peu difficiles à comprendre et à suivre. On passe à coudre, c'est facile. C'est un hors-série, ça coûte 9,80€. Et on nous propose 29 modèles femmes et unisexes pour votre dressing printanier. À l'intérieur du magazine, on va donc retrouver des chemisiers, des tops, des blouses avec ou sans manches, des robes, un boléro, deux parkas, 5 pantalons, 4 jupes. Bref, de quoi s'amuser derrière sa machine à coudre avec des modèles la plupart du temps pas ultra compliqué, en tout cas à vue de nez. Problème, il n'y a pas de niveau de difficulté dans le magazine, donc c'est un peu au jugé hein, pour le coup. Mais bon, coudre une jupe, ça n'a jamais été vraiment quelque chose d'impossible. Même quand on débute en couture, la jupe, ça reste quelque chose d'accessible. La plupart des petites blouses qui sont proposées devraient également être faisables. Tous les modèles sont proposés de la taille S à la taille XL. Et les explications sont systématiquement avec des petits textes et des schémas. Donc on est vraiment pris par la main de A à Z pour réaliser chacun des modèles et ça c'est plutôt très très cool. À la toute fin du magazine, on va retrouver les planches de patron qui sont ce qu'elles sont, hein, qui sont relativement lisibles. Il y a des endroits peut-être un petit peu plus difficiles à comprendre, mais globalement, ça va. En fait, là, ce qui sauve un petit peu, j'ai l'impression, le magazine, c'est que tous les modèles sont donc proposés de la taille S à la taille XL, ce qui fait seulement 4 tailles. Donc, il n'y a pas énormément de lignes dans tous les sens à chaque fois. C'est systématiquement 4 lignes qui partent. Et donc, ça reste plus ou moins lisible. L'utilisation de différentes couleurs selon le modèle aussi aide à la compréhension des différents tracés. Par contre, comme d'habitude, il n'y a pas de marge de couture, il va falloir les rajouter. Allez, je vous propose de passer au Burda Style. Cette fois, c'est un hors-série. Ça coûte 7,95€. C'est un best-of top et blues. Et la promesse, c'est d'avoir 16 modèles de saison en taille 32 à 46. Et alors là, Burda se fout de nous. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut dire les mots. Alors, il y a une autre raison pour laquelle Burda se fiche de nous, mais ça, je vous le dirai un peu plus tard. Mais en l'occurrence, à l'intérieur de ce magazine, sur les 16 modèles proposés,
Il n'y a qu'un seul modèle qui commence effectivement à la taille 32 et il n'y en a que deux qui vont jusqu'à la taille 46. Sinon, la majorité des modèles à l'intérieur vont de la taille 36 à 44. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de mettre en gros ici de 32 à 46. Ça n'est pas vrai. Ou en tout cas, c'est vrai pour... En fait, il n'y a aucun modèle qui va vraiment de la taille 32 à la taille 46. Donc, ça n'est pas vrai. Voilà. À l'intérieur, on va donc retrouver un bustier, trois tops à encolure ronde, des t-shirts, un chemisier cache-cœur, un chemisier tout court, un top à coulisses, un top à bretelles, une blouse, un chemisier, un top dos nu et un chemisier à manches papillon. Les explications à l'intérieur du magazine sont, bah, comme avec Burda, uniquement en texte. Il y a cependant certains petits passages avec des explications concernant un détail de couture. Là, en l'occurrence, il s'agit par exemple du col droit, ce qui va vous permettre quand même de vous dépatouiller sur certains modèles parce que effectivement pour faire une chemise, pour faire un chemisier, ce genre de choses, il faut comprendre comment on se monte un col. Il y a également un des modèles qui est proposé avec un pas à pas en schéma. Il s'agit de ce chemisier ici avec donc les explications, mais c'est le seul des 16 modèles proposés, avec des explications effectivement, avec des petits schémas et du texte. À la fin du magazine, on va retrouver la planche de patron. Planche qui est pour le coup plus lisible, j'ai l'impression, que pour le Burda style classique. Les pièces sont un peu plus séparées, sont beaucoup plus lisibles pour le coup, donc c'est pas plus mal. Mais évidemment, les marges de couture ne sont toujours pas incluses, il va falloir les rajouter lors de la découpe des tissus. Et alors le truc qui m'a un peu saoulé avec Burda, alors en plus de ce mensonge sur la première page qui disait que les modèles étaient disponibles en taille 32, de la taille 32 à la taille 46. Bon, ça c'est une chose, c'est pas bien et c'est pas la première fois qu'ils mentent comme ça sur la première page. L'autre chose qui m'a un peu saoulé, c'est ça. Ce sont des petits bulletins d'abonnement qu'on retrouve dans les différents Burdas. Il y en a un qui provient justement du Burda hors série, il y en a un second qui provient du Burda style classique. J'ai acheté les deux, donc j'ai à chaque fois un bulletin. Et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo si c'était pas le même prix. Et c'est le cas, c'est-à-dire vous avez ce Burda-là qui vous propose le Burda style et le Burda easy pour 99 € sur l'année. En fait, vous allez recevoir 18 magazines, pardon. Donc 99 € au lieu de 128,40 €. Et... la même chose, donc Burda Style et Burda Easy pour 115 € au lieu de 135. Voilà. Est-ce que j'aime qu'on se fiche de moi? Non. Donc si vous avez l'intention de vous abonner à Burda, faites-le, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous comprenez les explications et que vous aimez les modèles qu'ils proposent, il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner. Maintenant, essayez de trouver le prix le moins cher. Donc là, j'ai une offre à 99 €. Si vous voyez une offre supérieure, peut-être que ça n'en vaut pas la peine parce que parce qu'on se fiche de vous. Enfin, en tout cas, vous allez pouvoir trouver mieux en creusant un petit peu, peut-être d'autres magazines de la famille Burda, en achetant le Burda Easy, en achetant un Burda Style, ce sera moins cher que si vous achetez le hors-série. Bref, moi ça me saoule ce genre de truc, quand il y a deux prix pour la même chose, honnêtement, je comprends pas qu'on puisse comme ça essayer de grappiller quelques euros, Burda mérite mieux, quoi, voilà. Allez, avant-dernier magazine de cette sélection, le Elena Couture, c'est le numéro 96, ça coûte 6,95 €, et à l'intérieur, on nous propose 23 modèles de designer à coudre soi-même dans les tailles 38 à 48. Espérons que cette fois, ce sera vrai. Tous les modèles sont évidemment de saison, avec des pantalons, des jupes, des robes, dans différents styles. Il y a également un blazer, des vestes, des blouses. Et je trouve que c'est tout à fait métable et tendance, pour le coup. Et alors, au niveau des tailles, c'est pas exactement de la taille 38 à la taille 48 comme c'est précisé sur la première page du magazine. La plupart, effectivement, des modèles sont dans les tailles 38-40, 42-44 et 46-48. Donc, effectivement, du 38 au 48, mais déclinés en seulement 3 tailles. Et certains autres sont de la taille 38 à 44, d'autres 38 à 46 et enfin d'autres de la taille 40 à la taille 46. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est imprimée en deux couleurs, en rose et en noir. Voilà, étant donné qu'il n'y a pas énormément de tailles systématiquement pour les modèles, le tracé reste assez lisible, bien que les pièces s'entrechoquent. Le magazine utilise un style un petit peu différent. Là où les autres magazines vont uniquement utiliser des traits ou des pointillés, eux, ils vont s'amuser à utiliser des petites croix, des petits astérix.
Donc ça change un petit peu et ça permet de différencier peut-être un petit peu mieux le tracé des modèles. Les marges de couture, évidemment, ne sont pas incluses. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'attends maintenant que les marges de couture soient incluses, vu que j'ai l'impression que tous les magazines se sont mis d'accord pour ne plus les mettre et nous laisser faire le sale boulot, quitte à se tromper. Et les explications à l'intérieur du magazine sont uniquement en texte. N'attendez pas d'Elena Couture d'avoir un pas à pas avec des schémas ou des photos ou même des vidéos, parce que ça n'arrivera pas, malheureusement. Et bizarrement, il n'y a pas de niveau de difficulté pour chacun des modèles, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc encore une fois, si vous craquez pour l'un des modèles, n'hésitez pas à bien lire surtout les explications, peut-être à essayer de faire une toile pour vous assurer que vous allez pouvoir réussir votre modèle sans vous planter, parce que on ne sait jamais si le modèle est facile ou au contraire techniquement compliqué. Allez, dernier magazine de cette sélection, comme d'habitude, il s'agit du Modes et Travaux. Ça coûte 3,50€. C'est le numéro de mars 2002, le numéro 1456. Et à l'intérieur, on va nous proposer un patron gratuit. Il s'agit d'un jean droit. Donc, Modes et Travaux, hein, si vous ne connaissez pas, c'est énormément de publications sur la décoration d'intérieur. Il y a pas mal aussi de pubs, il y a pas mal de modes, de cosmétiques, de culinaires à la fin du magazine. Et donc, il y a quand même une petite partie couture. Avec ce mois-ci, un jean droit proposé dans les tailles 36 à 48. Si vous êtes abonné au magazine, vous allez recevoir un second patron de couture. Il s'agit d'une robe trapèze. Il y a un petit accessoire à coudre. Il s'agit d'un sac qu'ils appellent haute couture. C'est un sac qui a l'air d'être fait en tweed. Il y a également un doudou bouillotte à coudre. C'est une bouillotte sèche en forme de nounours. Si vous faites un peu de tricot, il y a un patron de tricot. Il s'agit d'un pull. Il y a également un petit peu de customisation qui est proposée avec la modernisation d'un pantalon et un petit peu de broderie, si vous aimez la broderie. Au centre du magazine, on va retrouver le patron du jean avec les explications qui sont uniquement en texte. Et enfin, à la fin du magazine, on retrouve l'horoscope. Et je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est exactement pour cette rubrique que j'achète le Modes et Travaux systématiquement. Moi, j'attends toujours avec impatience un magazine de couture qui proposera un horoscope et des mots croisés. Ça fait 2 ans que je réclame et ça, voilà, je ne suis pas entendu malheureusement sur cette chaîne YouTube. Donc, on va continuer avec nos magazines qui ne proposent que des patrons de couture. Et voilà, sachez que ce mois-ci, le signe du mois, c'est le poisson. Bon, je ne sais pas comment on va finir le mois, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas si l'horoscope aura réellement un impact sur ce qui est en train de se passer au niveau de la géopolitique mondiale, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'effectivement, pour vous, poisson, ça va être le meilleur mois de votre vie. On peut rêver. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi, c'est ma récompense. Voilà, si vous aimez bien ce que je fais, abonnez-vous, ça fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube avec le bouton bleu qui est juste à côté qui s'appelle le bouton rejoindre. Donc c'est par YouTube, vous donnez un petit peu d'argent et ça m'aide à faire ce que je fais, ça m'aide à acheter aussi la plupart des magazines de cette revue de presse. Voilà, ça m'aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, mais rien d'obligatoire du tout, tout va bien. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.